Coucou les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Avec mon sac et mes kids, on va bientôt se quitter et on a décidé aujourd'hui de visiter Medellin et faire un tour en fait organisé par des étudiants, donc ça c'est plutôt le côté cool. Et en fait on est en train de visiter le quartier historique, mais le quartier aussi artistique de Medellin, qui est juste incroyablement beau, magnifique, inspirant aussi. C'est accessible pour les touristes, ça va être à mon avis une bonne matinée. C'est parti. Là on est vraiment rentré dans le quartier de Medellin et tout est complètement dingue. Tous les murs sont recouverts de peintures, de graffitis et c'est juste magnifique. Ah, ça fait bizarre hein, quand on entend des gens causer devant une caméra. Hein. Regarde, il y a des gens salut, qui disent ça va. You want to say something? Yeah, of course. What do you want me to say? What are my people? What how is it going? Yeah, man, it's French people. French all right. Salut, ça va? In English, in English. All right. En español, en español. En español también. ¿Qué es lo que más? ¿Cómo está mi gente? Todo melo. Estamos aquí directamente desde la Comuna 13. San Javier, Medellín. Medellín. Medellín, no. Cabrón. Ambiance breakdance aussi, les amis, à Medellín. On m'a dit 5000 fois que Medellín c'était une ville dangereuse, etc. Il y a des parties dangereuses. Quand tu peux profiter de ce genre d'endroit avec bonne ambiance, ça beau, tu vis ça, c'est génial. Tu peux visiter tout seul le quartier le matin et en après-midi. Le soir, c'est un peu moins conseillé. Mais si tu visites tout seul, tu n'auras pas les infos. Donc c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous dit. Il nous expliquait l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre les Américains, les FARC, les paras, etc. Donc ça vaut vraiment le coup pour une fois un tour où il n'y a pas trop de monde. Puisque là, on est 6 personnes. Tu as des groupes là dans la rue, ils sont au moins 20. Et là, c'est un petit peu moins agréable quand même si tu souhaites visiter. Tuto. Data number two, right? So I'm explaining about this tour, very good. So you have to come here. Yeah, man. Je pense que j'aurais pas assez d'une batterie de caméra pour filmer et te photographier tous les dessins qu'il y a là. C'est tous exceptionnels, tous aussi beaux les uns que les autres. Il y a un vrai talent hein, ici. Hein. Ils ont des vrais talents ici, c'est bien. Et là, regarde, qu'est-ce que c'est? Un frappuccino. Un frappuccino. C'est, tu vois, au fond, ben on l'a frappé, ça fait un frappuccino. Elle est bonne, elle est bonne. Take care, man. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est avec le Comuna 13. C'était bien. C'était bien, c'était beau. Très très beau. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je vais demander à maman. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je sens qu'on va faire du Netflix and chill. Là. Je sens qu'on va chiller sur Netflix. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit peu de couteau.